Bonjour à tous, bienvenue. Bonne année. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve à table encore une fois. Oui, on a faim. Maintenant, on se met à table assez souvent, hein. La dernière fois, je me baladais au magasin et j'ai vu ce joli pain burger. Regardez ça, il est orange. Orange flashy, les gars. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Et là, je me suis dit, mais et si on ferait pas une recette autour de ce pain burger orange? Est-ce qu'on ferait pas un burger orange? Avec plein de trucs spéciaux dedans, des trucs épicés, etc. Salade, tomate, cheddar, et puis le steak, c'est bon. Terminé, c'est derrière nous maintenant. On va faire un truc un peu plus travaillé. J'espère que vous allez bien, en tout cas je suis très content de vous retrouver. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on déguste un burger orange. Première étape, je vais vous présenter les ingrédients. On a évidemment le pain burger orange, de l'oignon rouge et un piment vert. Alors c'est pas écrit piment jalapeño, c'est écrit piment vert. Donc c'est possible que ce soit un piment qui me pète la gueule. Au niveau de la viande, on va avoir un bon filet de poulet que je vais trancher en deux, sinon ça risque d'être beaucoup trop épais. Avec évidemment des bonnes tranches de bacon qu'on va faire griller, ça va être délicieux, c'est un indispensable hein, dans les burgers. Peu importe le burger, il faut du bacon. Vous prenez un burger végétarien, j'espère qu'il y a du bacon dedans hein. Ici on va avoir deux œufs, c'est pas pour mettre dans le burger, mais c'est parce qu'on va faire une chapelure autour de notre poulet pour qu'il soit bien craquant. SO KFC, SO les nuggets de McDo, on aime la chapelure, on aime quand ça croustille. Donc on va se faire ça en version fait maison. En version à moitié fait maison. Voilà, j'ai déjà acheté la chapelure quoi. Vous voyez, je vais juste me contenter de la mettre sur la viande. Au niveau du fromage, au début, je voulais prendre du fromage de brebis ou de chèvre au piment d'Espelette, mais le monsieur dans le magasin, il m'a dit « Non !» On n'en a pas, monsieur. Vous voulez pas autre chose? Je dis, bah écoutez, monsieur, c'est pour faire un burger bien relevé, je mets de la sauce piquante et tout. Il me dit, oh, oh, monsieur, en fait, vous voulez du maroilles? Bah écoutez, faut croire que oui, hein. Donc j'ai pris du maroilles, j'écoute le monsieur. Il m'a dit, si vous mettez une sauce épicée, du piment, machin, avec un fromage épicé, ça va pas aller, monsieur. Prenez du maroilles, c'est très fort, très relevé, vous allez kiffer. Ça pue sa mère, hein. Juste au passage, je vous le dis comme ça, je vous lance l'info, hop. Ça pue sa mère. Et au niveau des sauces, une bonne sauce samouraï, ça c'est une valeur sûre, je l'adore, je pourrais la manger crue comme ça là, avec quelques gouttes de tabasco évidemment, si jamais on n'a pas assez mal au fion, on en rajoute une couche. Première étape de la conception, on va préparer, je redresse mes manches, ça y est, je passe en mode drop dadou cuisinier. Je vais faire des rondelles d'oignon rouge et des rondelles de jalapeño. On va aussi préparer les tranches de fromage, la chapelure, on va tout préparer comme vous le savez, un burger, une fois que la cuisson est lancée, faut tout assembler très rapidement pour que tout soit chaud et tout soit bon. Donc on prépare tout à l'avance et après, bam, on assemble tout en 30 secondes. Du coup, c'est parti, oignon rouge, qui est clairement mon oignon préféré, surtout pour les burgers. Vraiment, des rondelles d'oignon rouge, c'est super bon. Alors, l'oignon rouge, c'est plus fort que l'oignon jaune. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est de mettre des sauces qui attendrissent le goût de l'oignon rouge. Ça peut être, par exemple, une sauce barbecue. Je sais que McDo, ils ont fait ça dans leur signature. Beef barbecue, McDo, ils ont fait ça. Ils mettent des rondelles d'oignon rouge. Par contre, on a de la sauce barbecue qui attendrit le goût de l'oignon rouge. Et ça donne un super goût. Je vais prendre le plus gros côté, je pense. Hop là, j'ai une rondelle que je vais pouvoir diviser après en plein de petites rondelles. Évidemment, je vais pas les faire revenir dans une poêle ou quoi que ce soit. L'oignon rouge cru dans un burger, c'est délicieux. Ça donne du croquant. J'aimerais ne pas gâcher ça si possible. Ça y est, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai commencé par les oignons. Erreur de débutant. Écoutez, après 2 ans de vidéo cuisine, je retiens toujours pas la leçon, visiblement. Mais du coup, si vous voulez me remonter le moral, vous pouvez par exemple, je sais pas, mettre un pouce bleu ou un truc comme ça, quoi. Hop, le jalapeño. Oh là 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 là, il y a de la graine là-dedans. Il y a de la graine. Je vais faire vraiment des fines tranches. Mais frérot, mais Daryl, tu es possédé? Tu veux passer un mot à la caméra? Mon chat, ça va? Tu veux dire un truc? Ah, puis là, il parle plus, hein, bizarrement. Hop, voilà. Bon, là, j'ai fait une bonne dose de piment vert, hein, donc il y a moyen que ça me fasse mal. Mais bon, vaut mieux un peu trop que pas assez, au final, être déçu alors que tout est monté et tout. C'est pas après que je vais rajouter du piment. Ça, c'est le croquant, c'est les légumes. Et je me rends compte en plein tournage de la vidéo que j'ai oublié l'ingrédient principal. La salade. C'est vraiment pour donner une touche de couleur. Hein. J'ai pris de la mâche, j'adore ça. Donc là, pour le coup, j'ai pris exemple sur Burger King. Ils aiment bien dans leur master, c'est un peu leur burger signature, quoi, mettre 2-3 feuilles de mâche vraiment pour faire joli. T'es d'accord, mon chat? Ok, donc là ce qu'on va faire c'est simple, on va préparer le poulet. J'ai pris un bon filet de poulet. N'hésitez pas à frapper votre viande, ça l'attendrit. La viande est attendrie maintenant. Et donc le but, comme c'est assez épais, je vais essayer de la couper en deux. Du coup ça nous fera 2 tranches de poulet dans le burger. Alors là c'est le moment où je me coupe les doigts normalement. Donc filme bien, ça va faire un max de vues. Ok, la concentration est à son max. Je crois que je suis pas mal là. Ça scie bien, le couteau il scie bien. Bon alors ici, ah mais non c'est que c'était plus fin, c'est pour ça. Ok, bon alors on va avoir un morceau de poulet un peu plus fin que les autres, c'est pas grave. Là au moins, oh ça va être bien, ça va être beau là. Ça fait la taille? Ouais ça fait la taille du burger. Oh ça va être incroyable. Ça sent le poulet?
Vas-y. Oui. Miam, miam. Il y en a un qui se régale ici. Lui, il est content quand il y a des tournages. Je me lave les mains parce que notre chat, il a le Covid en ce moment. Alors voilà, on va éviter de contaminer tout le monde. Hein. 2 œufs dans un bol. Et ensuite, les 2 œufs, on les bat. Avec une fourchette. Tranquillement, vraiment, on n'est pas pressé surtout. Alors du coup, un peu de sel dans les œufs quand même. Et un peu de poivre. Et là du coup notre poulet, donc on aura 2 morceaux dans le burger, un plus petit et un plus gros. Donc ça sera vraiment la pièce de viande principale. Donc je trempe dans les œufs, voilà, faut bien qu'il soit bien mouillé en fait. C'est pour accrocher la chapelure après. Mmm, miam miam. Et là tu le manges cru là comme ça. Hop là, on fait en sorte que la chapelure, elle aille sur tous les côtés du poulet. J'en prends, j'en mets dessus carrément, on le recouvre. C'est comme quand t'es à la plage avec papa, maman, et puis qu'on t'enterre sous le sable. Oh, ça va être bon. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois que j'achète de la chapelure déjà faite. J'ai mis la poêle à chauffer pour faire griller le bacon. Pendant ce temps-là, on va couper les tranches de maroilles. Alors apparemment, c'est très fort. Je me souviens pas avoir goûté du maroilles une fois dans ma vie, ou peut-être que j'ai déjà goûté du maroilles, mais dans ce cas-là, je savais pas que c'en était. Alors, on va faire des tranches assez généreuses quand même, mais je préfère faire 5 petites tranches que 2 grosses tranches. Évidemment, c'est meilleur, ça passe mieux. Il est dur à scier, lui, il faut vraiment passer un gros coup dessus. Ah bah, mes doigts, ils vont sentir le cul. 1/5, ça c'est la gourmandise. Et bien sûr, l'ingrédient clé, ce que je préfère, le bacon, on va le faire grillé, il sera prêt comme ça. Waouh, waouh! Alors, c'est pas du bacon, c'est vraiment de la poitrine fumée, hein, donc c'est un peu plus épais, un peu plus bordélique. Ça va être assez aléatoire, de toute façon, ça se rétracte. Donc, je me fais pas trop de soucis. Ici, on a le gras c'est le meilleur, évidemment. Et là, c'est parti, vous m'entendez plus, scène musicale! Ça va être bon. Une vidéo burger, ça faisait longtemps. Miam, miam. Ça va, vous? Le bacon est cuit. On va passer à la cuisson du poulet maintenant. Comme ça, tout sera prêt. On pourra tout assembler et se régaler. Et on récupère le gras du bacon. Et ça, c'est bon. Oublie pas tes petites graines, mon petit. Oublie pas. Ici, j'ai mon pain. Le pain, juste après la cuisson de la viande, je vais le mettre sur la poêle. Comme ça, il va s'imbiber un peu du jus de poulet et du gras du bacon. Il va être bien chaud et un peu craquant, mais pas trop. Et ensuite, on assemble tout et on déguste. Alors, j'enlève la hotte. Ça, c'est cuit. Regardez ça, c'est bien craquant, bien luisant. Ça crépite, là. J'ai rajouté un peu d'huile, évidemment, sinon ça allait être ignoble. Ici, donc, on a notre viande. On va passer au plus important, mais regardez comment c'est flashy! Regardez, comparé avec mon visage! Dinguerie! Allez, c'est parti! On met le burger ici pour qu'il s'imprègne un petit peu, mais pas trop. Voilà, et là, du coup, on attend! Super! Mais ça tombe bien, j'adore attendre! Messieurs, dames, notre poulet, miam, 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 avec notre pain burger qui a bien absorbé de la graisse de bacon et du jus de poulet. C'est parti, on va commencer, là c'est l'heure de l'assemblage, il faut surtout pas traîner. On met la sauce, donc sauce samouraï évidemment. On met la dose, on adore ça, la sauce samouraï c'est délicieux. Ensuite, pour ajouter une petite touche de piquant, on met un peu de tabasco mais pas trop. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 gouttes de tabasco à peu près. Ouah, ça monte dans mon nez. Ouf. Ensuite, je dispose les oignons. Je les empile, je les mets un peu de travers, comme ça, ça donne du volume au burger. C'est un burger bien gourmet, là, qu'on fait, hein. Et par-dessus ça, j'ajoute, du coup, les petits morceaux de jalapeño. Ouais, c'est plein de couleurs, hein. C'est sympa, en vrai. Déjà, ça, c'est une sacrée dose. Un peu de couleur. Il y a déjà de la couleur. J'en rajoute. Hop, je mets un peu de mâche, mais pas trop, parce qu'on a d'autres choses à mettre bien plus importantes, comme par exemple le poulet. Hop, 2 belles tranches de maroilles ici, qui viennent fixer le tout. Ensuite, on va mettre un peu de bacon. Un petit peu de bacon. Juste comme ça, pour décorer, quoi. Le poulet. Non, mais ça va être une dinguerie, en fait, je suis en train de réaliser. Un peu de bacon, un peu de fromage, un peu de poulet, un peu de fromage et un peu de salade. Et voilà! Jamais j'arriverai à manger ça. Je le referme, et là, les gars... je suis dans la merde. Ouah! Ok! Messieurs, dames, on voit bien... Oh, la dinguerie! Je pensais pas qu'il allait être si volumineux, c'est tellement stylé! J'ai tellement faim! Donc là, on a un burger avec de la sauce qui pique, plus du tabasco qui pique, plus un poulet, du bacon, du fromage, oignon et du piment vert. Je crois que c'est l'heure de la dégustation. N'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous! Wow, mais comment je vais manger ça? J'ai déjà croqué dans plus gros. Pas de sous-entendu, je vous vois venir. Ok, c'est parti! Bon appétit, messieurs, dames, le burger orange. Waouh, ok, c'est hyper bon, ça pique,
Ça pique, mais franchement, c'est agréable. Ça me prend pas la gorge. Le poulet est bien croquant, bien fondant. Regardez l'intérieur. J'ai croqué. J'ai réussi à prendre une bouchée entière, hein, quand même. Je sais pas comment j'ai fait. Je vais en prendre une, évidemment. C'est comme le vin. Le premier verre. Non. Le deuxième verre. Non. Le troisième verre. Bon, j'irai pas au bout de mon anecdote, je crois. Allez, rebon appétit, hein. Fume la bouche. C'est une dinguerie. Ok, franchement, le piquant est super présent. Je sens beaucoup plus le piquant de la sauce samouraï que Tabasco, alors j'en ai mis pas mal. Je pense qu'il y a le piment qui est aussi pour quelque chose. J'ai un peu chaud, mais j'ai presque l'impression que le poulet, le fromage surtout, ça attendrit direct. Là, ça y est, ça me pique plus. Ça me pique bien, bien, bien quand je mange, mais là, ça y est, c'est passé. Du coup, c'est un moment agréable. Je sens que ça dure pas. Vous savez, quand on croque dans un piment, ça dure des plombes, c'est chiant, c'est horrible. On pleure et on chie partout. Non, c'est nul. On veut pas ça, nous. Là, je trouve c'est vraiment l'équilibre parfait. J'ai fait cette recette un peu à la Zub. J'ai pris des ingrédients à droite à gauche. Je me suis dit, ça irait bien ensemble. Franchement, je suis pas déçu. C'est une très bonne découverte et c'est même une recette que je pourrais refaire pour mes amis, par exemple, ou même pour ma famille. Non, franchement, je suis hyper content. La salade, c'est vraiment pour faire joli, hein. Ça ajoute un peu de texture, mais balèque. Les oignons, on sent un peu, évidemment, c'est les oignons rouges, mais le plus présent, c'est vraiment la sauce piquante. Même le maroilles, je le sens pas. Je pense que le maroilles, il est là pour attendrir le piquant, mais en termes de goût, je le sens pas vraiment. J'aurais peut-être même pu mettre plus de fromage encore. Le pain au paprika, oui, bah, c'est un pain, je vous dis, depuis le début, c'est un pain orange, mais c'est un pain au paprika. Je pense que c'est vraiment juste un aspect esthétique. En tout cas, j'ai mis tellement de choses dans mon burger que je me suis pas attardé sur le goût du pain. Limite, je vais manger un petit bout comme ça tout seul. C'est pas... Oh putain, il y avait de la sauce dessus. Je crois qu'il y avait du tabasco. Non, le pain est plus joli qu'autre chose, franchement, pour faire des présentations. Après, si vous cherchez le goût du paprika, je pense qu'il faut vraiment ajouter du paprika au pain. C'est très joli, c'est très bon, et surtout, ça change de d'habitude, que ce soit des burgers avec, vous savez, de la sauce barbecue ou de la sauce burger, ketchup moutarde ou ce genre de conneries. Là, vraiment, ça sort du lot. C'est un burger que je pourrais prendre en restaurant, carrément. C'est une dinguerie. Waouh, waouh! J'ai senti le fromage. On sent le fromage si on se concentre dessus. Mais honnêtement, j'avais aussi moins de sauce. Là, je suis tombé sur un endroit peut-être sans trop de tabasco. C'est super bon. C'est bien fourni, en fait. C'est complet. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut dedans. S'il y avait un truc à rajouter dedans, je saurais pas quoi, honnêtement. Si vous avez une idée, vous pouvez le dire en commentaire, évidemment. C'est pas une recette fixe. Vous pouvez refaire ça chez vous. Ajouter des choses. Enlever des ingrédients, peut-être, si vous aimez pas l'oignon ou des trucs comme ça. En tout cas, j'attends vos retours. J'ai hâte de les lire. Une vidéo cuisine comme ça où c'est moi qui fais la recette. Un peu comme ça, là, en détente, en léger, j'ai envie de vous dire. Je sais que vous êtes certains à reproduire mes recettes chez vous. Des fois, et ça c'est ouf. Donc n'hésitez pas si jamais vous le faites, j'attends vos retours, que ce soit en commentaire ou sinon sur les réseaux. D'ailleurs, regardez, hop, sans transition, suivez-moi sur les réseaux. Messieurs, dames, je crois que c'est la fin de cette vidéo. La caméra va couper et je vais le manger comme ça en un coup. Vraiment, c'est une dinguerie, je suis trop content. Je m'attendais à un burger un peu classique, j'avoue, quand j'ai fait la recette de cette vidéo, etc. Et au final, non, je suis très agréablement surpris. Voilà, donc je vous laisse clairement sur une super note positive. En plus, pour la première vidéo de l'année, c'est pas beau, ça, franchement. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne raclette, bonne fondue, si vous faites les repas de l'hiver. Et sinon, bon burger! Bah oui, il n'y a pas de saison pour les burgers.